Hey, salut à vous, chers amis traders. Bienvenue sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. Donc, c'est Yann avec vous à travers cette vidéo. On va voir un petit peu les différences entre Mac et Windows, donc Apple et PC, pour l'utilisation d'MT4 et donc pouvoir trader en conséquence. Alors, la différence majeure, les amis, qu'on va voir, c'est que c'est tout simple. Cette vidéo, elle va être très courte. C'est que la plupart des indicateurs et des templates disponibles fonctionnent sur Windows et pas sur Apple. Tout simplement parce qu'on a majoritairement, la plupart des traders tradent sur Windows, donc ce qui fait que les développeurs développent majoritairement sous Linux Windows pour MT4 et non pas sur macOS. Donc ce qui fait que lorsque vous allez télécharger des templates ou des indicateurs qui vont venir donc de ma source ou des sources étrangères, la plupart du temps, ces templates et indicateurs sont compatibles que sur Windows. Donc voilà, c'est la plus grande différence entre les deux et je pense qu'elle est très importante pour votre rentabilité. À la base, je suis pas un grand fan de Windows tout simplement par sécurité. Je travaille mieux sur Mac, mais c'est vrai que pour le training, on est quand même beaucoup plus avantagé sur Windows que sur Mac. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, partagez, likez. Si vous intéressez au trading automatique, remplissez simplement le petit formulaire disponible dans la description et je reviendrai vers vous pour vous donner un peu plus d'informations. Donc c'est le robot Novel qui vous génère un chiffre d'affaires compris entre 5 et 12% journalier. C'est vraiment juste énorme. Encore une fois, remplissez simplement le petit formulaire disponible dans la description et je reviendrai vers vous pour vous apporter les informations complémentaires. Voilà les amis, je vous souhaite très bon trade à tous. Je vous dis ciao 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 et à très bientôt.